Bonjour, je m'appelle Vicky Joseph, je suis une allothérapeute à la clinique Équilibre à Laval. Je m'appelle Maggie Morin, je suis aussi une allothérapeute à la clinique Équilibre de Laval. Aujourd'hui, on vous présente une petite capsule vidéo pour vous expliquer quel est l'entretien régulier à faire sur son appareil CPAP. Ceci est un réservoir pour l'appareil CPAP, donc il va falloir mettre de l'eau distillée ou sinon de l'eau déminéralisée à l'intérieur. Donc, c'est important de changer l'eau après chaque utilisation, vraiment pour éviter que vous respirez les micro-organismes de l'eau stagnante. Pour ce qui est du masque, vous devez faire de l'entretien aussi après chaque utilisation. Pour cela, il faut juste vraiment nettoyer la petite bulle qui va toucher directement à la peau. Donc, vous pouvez nettoyer avec une débarbouillette tout simplement, puis avec un petit peu d'eau et du savon. Vous le rincez à l'eau froide par la suite. On a aussi une partie de l'entretien qui doit être faite de façon hebdomadaire. Donc, tous les accessoires vont être à faire tremper dans une bassine avec de l'eau tiède et du savon à vaisselle une vingtaine de minutes par semaine. On vous recommande de le faire le matin parce qu'il y a un temps de séchage qui est quand même assez long. On immerge au complet le réservoir. On va immerger également le tube. Et je le précise parce que souvent, on se fait demander si c'est correct d'immerger la petite section ici avec la puce électronique. Alors oui, il n'y a pas de problème. Toutefois, avant de réinsérer le tube dans la machine, on vérifie que cette section-là est bien sèche. On immerge notre masque au complet. Si on veut améliorer la longévité de la courroie de notre masque, c'est préférable de la retirer, donc de la laver à la main plutôt que de la laisser tremper pour une période prolongée. Alors, la majorité des masques ont une courroie amovible, soit avec des velcro ou soit avec des aimants. Alors, on espère que ça va vous aider avec votre routine de nettoyage, que vous la voyez plus simple maintenant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler.